Bokk, puisque aujourd'hui vous êtes en tournée dans le Saloum, est-ce qu'on peut savoir l'objectif visé à travers cette rencontre avec les militants? Oui, j'ai de ma visite, c'est surtout d'aller à la rencontre des populations sénégalaises. Plus fort. Parce que naturellement, c'est une tournée que j'ai démarrée depuis. Face trois à la mois. Caméra, s'il vous plaît. Et j'avais marqué un break à cause du ramadan. Et c'est aujourd'hui que j'ai repris les tournées que j'ai entamées depuis longtemps. C'est pour aller donc à la rencontre des populations sénégalaises. Face à la caméra. Et de connaître les difficultés auxquelles ces mêmes populations sont aujourd'hui confrontées. Le candidat Macky Sall, d'alors, avait fait moult promesses. En direction de ces mêmes populations. Et aujourd'hui, je pense que la déception a été grande de la part de ces mêmes populations. Si aujourd'hui nous regardons les problèmes liés à l'hivernage, il y a une mauvaise distribution des semences de mauvaise qualité, des semences en quantité insuffisante également. Alors que le gouvernement prétend avoir distribué 25 000 tonnes de semences certifiées. Alors que les populations, notamment les populations du monde rural, ont constaté que ces graines ne sont pas des graines certifiées. Donc c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Kaolack, d'abord pour rencontrer nos militants, nos responsables, et essayer d'organiser notre parti ici dans la commune de Kaolack et dans le département. Parce que nous sommes un peu partout représentés, mais il faut dire que le parti n'est pas organisé à ce niveau-là. Et ces mêmes tournées me permettent d'organiser le parti partout où je vais. Donc c'est l'objet aujourd'hui de ma visite à Kaolack. Voilà, vous avez également une ambition un peu démesurée. On est en route vers 2017. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'avoir des représentants dans chaque village du